Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Toute neuve qui commence. Allô tout le monde, c'est Allô. Moment qui vous parle. Ah. C'est Véro qui s'installe au micro, 15h55, lundi 5 février. La marmotte a pas vu son nom! Ouais! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire le printemps va arriver vite. Yeah. Ah, bravo! Yes. Toutes ces belles voix-là que vous entendez, c'est Guylaine Gay. Allô? Mathieu Pepper. Coucou! Et une femme neuve, toute comme cette semaine, Mona de Grenoble. Je suis affamée des ondes FM. Mais t'es donc bien en forme, Mona. Ben, j'ai recommencé à faire du tapis roulant et à prendre des probiotiques. Je suis neuve! Ça n'a pas de bon sens. Oui, un microbiote bien en forme. Ah, derrière moi, les ballonnements, tout le monde. Tout le monde va bien? Oui! Je suis bien contente de vous voir et de faire de la radio avec vous. Same. OK, alors on s'installe pour 2 heures et on va faire le petit tour de table pour commencer. Puis on va avoir plein de sujets pour vous autres aujourd'hui. Je vais commencer avec toi, la super en forme, Mona. Je suis prête à te recevoir. Je te reconnais plus. Je sais pas, je suis qui. T'es la joie de vivre incarnée. Je suis aussi énervée que Varda lundi passé. Oui. Elle était pas suivable, Varda, lundi passé. C'est vrai. Ah, c'est en balado, ça, sur iHeart, Mathieu, t'écouteras ça. C'est bien dit. Ma belle grande, première question pour toi. Comment t'as trouvé la twist d'hier soir dans Big Brother? J'ai crié. Je trouve ça malade parce que la semaine invisible, là, c'est la semaine invisible. Ouais, pour expliquer aux gens, si vous suivez pas, c'est que le patron de la semaine, cette semaine, c'est le patron invisible. Mais pour la première fois dans toute l'histoire de Big Brother célébrité mondiale, c'est, le patron est l'exclu de la semaine. Voilà. Et c'est Eve Salvaille. Fait que c'est super malade. C'est la twist dans la twist. C'est ça. Et la semaine invisible, c'est dans le petit laboratoire de rats qui est Big Brother. C'est quelque chose qui rend les gens complètement dingues. Oui. Dingo, redingote, 100%. Et là, les gens savent pas que c'est Eve, le patron invisible, et ne le sauront pas tant qu'ils sont pas sortis de la maison. Ce qui veut dire spéculation jusqu'à ce que tu creuves, là. Oui. Ça va rendre. Moi, je serais. Mais ça va être viré fou un après l'autre. Il n'y a pas assez de médicaments pour gérer ça. C'est la semaine de la paranoïa. J'allais dire, est-ce que c'est le moment de ta vie où tu as été le plus paranoïaque la semaine invisible? Moi, je savais quand même pas mal d'où ça venait, je pense. Okay. Mais les gens me soupçonnaient au début. À cause de la mise en danger, ça dépend qui s'est mis. T'avais le casting de la méchante aussi. J'avais le casting de la grosse charogne. C'est sûr que moi, je mettais les gars forts sur le bloc. Ouais. Quand c'était pas ça, ma cible pantoute, on s'en rappelle. Fait que, donc, tu trouves ça bon. Parce c'est malade, c'est excellent. Il y a des gens qui disent que c'est pas juste, tu sais. Parce que les décisions sont prises par quelqu'un qui a été éliminé. Fait que, y a-tu une forme d'injustice? Ben non, parce que ce qui est le fun dans Big Brother, c'est que c'est imprévisible. Et là, parle-moi de quelque chose d'imprévisible que de donner le pouvoir à la personne évincée. Mais ça va brasser les cartes. C'est vraiment vrai, j'étais vraiment d'accord. 100%, mais j'ai écouté Jean-Thomas au podcast de... Oh, à la poire et le fromage. La poire et le fromage, il en parlait vite fait. Le podcast de mon amour. Ben oui. Puis il explique sa vision de ça aurait pas dû arriver parce qu'elle a été... Il explique que, tu sais, mettons que tout le monde a bien travaillé, vous êtes des bons joueurs stratégiques, vous avez réussi à sortir quelqu'un, les règles du jeu feraient que si elle ne gagne pas comme la possibilité de revenir, elle devrait plus avoir d'impact. Et les joueurs ont bien... fait. Ouais. Ils ont bien réussi leur plan. Fait que là, elle a quand même un peu épouvantable. Il dit que c'est une bonne twist pour le téléspectateur, mais pas pour les joueurs. C'est terrible pour les joueurs. Pour le jeu, effectivement. Pour quelqu'un qui n'a pas performé normalement, ça va être encore plus fâchant, je pense, pour ceux qui performent. Mais là, après ça, ça reste un jeu de twist. Ouais. Et on ne voit pas tout, évidemment. Là, j'ai vu des gens qui disent « Eve, elle ne joue pas. » Moi, je vous le dis, si tu es dans la maison un mois, tu joues. Tout le monde joue. Tout le monde joue, mais c'est ça, à divers degrés. Exactement. Et dans le montage, qu'est-ce qu'on montre? C'est juste que ce qu'on nous a présenté, en tout cas ce week-end, hier, c'est que Eve avait lâché bien vite. Eve Salvaille, elle savait qu'elle était la prochaine partie, puis elle a fait ses valises, puis bon... Mais c'est dur, les 2 jours où est-ce qu'on est en danger, puis qu'on sait qu'on sent le pouls de la maison, que c'est nous autres qui s'en va. Ils sont durs, ces 2 jours-là. Ça, c'est la nouvelle expression, ça, le pouls de la maison. Oui, le pouls de la maison. J'ai suivi le pouls de la maison. J'ai hâte d'en trouver un autre. La maison à dollage, la maison. Oui, la maison, le dollage. Fait que t'aimes bien cette saison, Mona? J'adore. Excellente saison. Toi aussi, oui, moi aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé l'attitude d'Ève, qui là se voit avec un pouvoir extraordinaire. Je comprends ce qu'il dit, Jean-Thomas, mais moi, je suis open à toutes les twists. Ben, être dans la maison, c'est une twist fâchante, par exemple. Justement, comme il dit, t'as placé tes pions, t'as fait ta game, puis là, c'est scrappé par quelqu'un qui est plus là. C'est ça qui est merveilleux, non? Ça respecte le principe de Big Brother, qui
attend des voiles inattendues. Voilà. C'est ça. Oui. Voilà. Ouais. Merci d'être là, Mona. Ben, grand plaisir. Ça te fait bien, le tapis roulant. Merci. Et les probiotiques. Ah oui. Faut pas sous-estimer les probiotiques. Faut pas sous-estimer quand même. Non, la flore est importante. Guilou. Oui. J'ai parlant de flore. Moi, j'ai une bonne flore. Qui est spécialiste en kimchi. Ouais. Ouais, alors, Guilou, j'ai vu sur Instagram que tu as été invité à participer au spectacle Fuck ta grossophobie. Ouais. Qui est animé par notre collègue de Rouge, Josiane Aubuchon. Oui. Présenté au Club Soda le 19 mars prochain. C'est quoi ce show-là? Ben, c'est un show où est-ce qu'on va parler de grossophobie, plein de beaux ben mondes. Ben oui, on dort! Je te jure, un sujet qui me passionne. Il y en a pas du sec, le titre. Ben ouais. Comme tout le monde est contre ou il y en a des pour? Réponds. Ben, ouais. Réponds! Ouais. Je crois, Mathieu, que ça va aller dans tous les sens. Mais moi qui n'ai pas fait de stand-up depuis à peu près 27 ans, je trouvais que c'est une bonne idée. De stand-up? Non, ouais, je vais aller faire un stand-up là. Je vais sûrement être costumée cool. Parce que... Ben oui. Mais c'est ton affaire, ça. Vu mon âge, je dis oui aux affaires. Ben, tu là, j'ai dit ça me tente. C'est un sujet que je trouve intéressant. Catherine Nettier va être là. Voyons. Ben, Josiane va être là. Ben, regardez, là, c'est sur mon Instagram. Oui, pas trop mon Instagram. On notre la fiche est là. Okay. Avec ça. Puis, moi, cognitivement, je suis cute, mais je suis pas vite. après du kimchi, mais à manque d'hormones. Ça, c'est vrai. Coco Béliveau va être là. Monsieur Néron, là, son prénom. Tommy Néron va être là aussi. Bref, une super belle soirée au Club Soda. Je pense que j'ai pas joué au Club Soda depuis ma tournée de l'École nationale de l'humour en 94. Donc, c'était dans l'autre salle. Tu sais, ça a déménagé en fait. Hey, ça a eu le temps de déménager. Fait qu'on va avoir bien du fun. J'ai aucune idée ce que je vais faire. Ben sûrement me montrer ben là, des parties y penser, du corps. Ouais, t'as un mois et demi pour monter ben oui, ben ça. Oui, c'est rien. Je vais être correct. Alors, 19 mars prochain pour ce spectacle-là. Guilou, c'est rendu que Clovis fait une nouvelle écolalie. Oui. Oui, après les comédies musicales russes et les hymnes nationaux bulgares. Oui. V'là-tu pas que Clovis chante ceci? Véronique, il est fantastique! Oh. Fong sing, litter sing, sea frizzle, barsh. Il a laissé le bomb de ways, y'a boy un chinko plork. C'est un remix. Laser, sass attack, spies and rings. Homosara, santa voice, a glow, I need to sing. Il a vraiment jazzé notre jingle. Ah oui, vraiment. Il y a quelqu'un au jingle qui vient de perdre sa job. Oh, ouais. Parce que moi, le contrat, il est donné. Oh, ah, même dire le prix, on va lui donner. Hein? Imagine si on lui demandait de refaire Soif et Jeudi. Hey! Félix est craché. T'es-tu correct, Félix? T'as craché ta chip? Hey, moi, là, je vote pour que Clovis fasse un jingle. Hey, oui, oui, j'embarque. On fait faire Soif et Jeudi à Clovis. Hey, j'aime ça. Merci, mardi. Tout ça, parce que vous savez, l'écolalie, c'est que Clovis, il répète ce qu'on dit. Oui. Alors, si moi, j'y chante comme... Puis, tu sais, il est bon, là. Il a appris, là. Il dit 2, 3. Puis, il va dire 2, 3. Puis, il va partir le jingle. Ah, ils ont fait ça. Ça serait cœur. Enfin, il répète. Puis là, la fin de la toune, c'est-tu parce qu'il a parlé en anglais pendant que tu étais saoul ou... Non, non. Ben lui, ça, il improvise. Il parle toutes les langues. Il est non-verbal, mais il fait de l'écolalie dans toutes les langues. Il répète. L'écolalie, ben, c'est qu'il entend quelque chose puis il le réplique exactement de la façon qu'il l'entend. C'est pour ça que je dis les comédies musicales russes. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'était ça son trip. Ouais. Les hymnes nationaux. Oui. Il est capable de compter en hébreu jusqu'à 50. Tout ben, des trucs mon de même. Dieu. Oui. Mais souvent, Guilou, là, elle m'envoie des vidéos. Ouais. Elle me dit, regarde, Clovis, ce matin. Ouais. Puis là, il se berce devant TV. Ouais. Puis là... Oui, mais c'est le roi! Yes. C'est le roi! Yes, one day in the life of Jesus! Ah, ouais, vraiment. Mon Dieu! Des fois, il a l'air d'un film d'horreur. Ah, ouais, on est Mais il est si beau, on lui pardonne tout. Une chance qu'il est beau. Ouais. Là, il nous entend. Tu vois, en ce moment, tu penses? Il doit être dans le char avec Steve, mais. Là, tu penses-tu qu'il s'est reconnu? Je pense qu'il s'entorche. Mais je pas, ben je sais pas, pour être bien franche avec toi, comme il parle pas, je le sais pas. Mais la mission est lancée, hein. Moi, t'as l'amener, Clovis, un mané pour aller faire un petit jingle. Ça serait écœur. OK, c'est j'embarque. C'est bien noté, je mets ça dans la bine de la Reine des Suivis. J'embarque, je prends son cachet, j'achète des Doritos. Wow. Merci, Guilou. Bon, mais je suis contente d'être là. Pepper! Yeller! Tabarouette. Pepperi Pop, Pepperi Scoop, ça fait 2 mois qu'on t'a pas vu. Hein? A long time, hein? La dernière fois que t'es venue, c'était le 14 décembre pour le spécial de Noël. Oui. Ça fait presque 2 mois, on arrive à Saint-Valentin. Ça va? Ça nous rajeunit pas. Mais qu'est-ce que tu t'es occupé de même pour l'amour? Mon Dieu, on a mangé du bitume sur les routes du Québec. On a été Les shows, les shows. Maman, ici, elle faisait 8 spectacles par semaine, puis elle animait une quotidienne en même temps. Vous me ferez pas broyer personne. C'est vrai, ça. Place-toi! Oui, excuse-moi, il n'y a pas de problème. Ah, mais pendant ce temps-là, par exemple, il va je viens vers toi. C'est bien! Un grand pepperoncini. On peut pas dire non avec la briche! Un grand.
Ben oui. Maman, rappelez! Non, je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait. Je parle à mon équipe. Oui, c'est ça. Je parle à mon équipe. Ta soeur, ça! Oui! M'a placé! Nathalie Pepper. Nat! Ah oui, ramasse-la! Sans joke, Mathieu, c'est vrai que tu donnes énormément de spectacles. Oui, c'est pas une raison. La semaine passée, je me suis plaint à Louis, mon époux, oui. qui est aussi producteur de ton spectacle oui. avec Chaos 5. J'ai dit, Pepper, tabarouette, il vient jamais à la radio. Il a sorti son téléphone, il a checké ton site, il a dit, mon amour, Mathieu a 16 spectacles en 28 jours. J'ai dit, ah, ouais, OK. Ah, c'est peut-être ça. Alors, les billets sont sur mathieupepper.com. Oui, c'est vraiment gentil, mais je vais augmenter mes présences. Je pensais que contractuellement, je n'avais juste 6, moi. Non, je pensais que mon contrat était fini. T'as 15 présences. 20! Je vais donner des dates d'abord. Ah oui, 20, puis là, t'es rendu pas loin, là. Fait que, augmente ça. Ah oui, OK, parfait. Oui. Laissez-moi faire un appel pendant la toune. Cette semaine, t'es en spectacle à Longueuil, Brossard, Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Et aussi, j'ajoute, Mathieu, que tu es dans la dernière édition du magazine Véro. Oui. Le numéro d'hiver qui est en kiosque, un beau texte de Valérie Chevalier et de très belles photos assises de Marjorie Guindon. C'est-tu toi qui voulais un shooting assis? Non, hey, c'est ça mon sujet. Je tantôt. Le sais, je t'en parle pas plus mais parce que ton sujet, c'est ton rapport au shooting photo. Oui, je parle pas beaucoup de celui-là, mais c'est mon shooting préféré. Parce qu'ils ont fait, premier, tu vas être assis, deuxième, tu vas être assis sur le bord du mur, l'autre, tu vas être assis à un tabouret. Je suis comme, oui, on s'y Mais moi, je veux que tu saches que t'es un si beau debout, là. Ah oui? Oui, oui, puis si t'as des doutes, j'ai une liste de madame qui abonde dans mon sens. Il y en a même qui travaillent ici. Je nomme pas personne. Mathieu, j'ai aussi vu que tu avais de la misère à dégeler du dentiste vendredi. On s'en reparlera. T'as-tu fini par être capable de boire de l'eau? Parce que moi, j'ai eu peur que tu te déshydrates. Hein? Fait que si jamais tu as besoin d'aide avec ton hydratation, j'ai une couple de madame qui abonde dans mon sens, puis il y en a même une couple qui travaille ici. Ah oui. On salue Ophélie. Mathieu... je me demandais pourquoi elle était rouge de même. Oui. Mathieu est arrivé. Pour vrai, c'est super. C'est quel, non, mais on a du plaisir. Oui, après ça demande pourquoi je viens pas souvent. Ben, j'allais le dire, tu viens pas souvent, il est prêt à payer. Hey, mais hein. Hey, je suis tout trempé. J'ai pas fini. Oui, ben, continue. Je veux te féliciter pour ta nomination aux Olivier pour texte de l'année avec la saison 4 dans deux draps. Bravo. Merci beaucoup. Ça serait le fun que tu gagnes ça pour bien conclure l'aventure de la série. Oui. Ça serait le fun parce que là, c'est terminé. Ça va-tu revenir, ça? Non, ça reviendra pas, ça. Là, c'est fini, là. J'aimerais ça pour l'équipe. On est toujours comme faire des compétitions d'émissions, on dirait que j'aimerais ça pour l'équipe que tout le monde est beaucoup d'auteurs. Il y a aussi l'œil du cyclone. Fait que, c'est rough. Ouais, c'est rough. Non, je comprends. Puis c'est sûr que. Mais en même temps, vous revenez l'année prochaine, c'est ça. Nous autres, ça serait vraiment notre dernière chance. Bon, bien, de toute façon, le public ne peut pas voter. Non, pourquoi qu'on fait ça? Mais ça donne rien. Fait que merci d'être là, Mathieu. Merci à toi pour tout ça. Tu viens pas souvent, mais quand tu es là, je suis contente. Mais moi, je suis super contente. Là, je vais remédier à la situation. Je te le dis, placez-vous, les Pepper. Ben oui. OK, on part le show de même. La famille Pepper contre Rouge. Sheryl Crow en musique et tout de suite après, on parle des Grammys. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ah oui. Vous êtes dans les fantastiques. Ça va brasser. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h10 minutes dans Véronique et les Fantastiques avec Guy Lenguet, Mathieu Pepper et Mona de Grenoble aujourd'hui. Alors là, il faut parler. C'est un des gros sujets de l'heure aujourd'hui. Oui. C'est les Grammys hier soir et il s'est passé plein d'affaires, notamment l'histoire de Céline et Taylor. J'y arrive, la gang, mais je vais commencer par faire mon petit résumé. De tout ce qui s'est passé. Recap. Alors d'abord, Céline est débarquée en surprise à la fin du gala au bras de René Charles, puis elle avait l'air bien quand même, notre belle selle. Elle a remis le prix de l'album de l'année. Excuse-moi, c'est que là, moi, je suis en pleine phase de probiotiques. Fait que belle selle, ça veut dire autre chose pour moi. Oui, mais c'est C-E-L. Hein? OK, parfait. On l'entend comme on veut. Merci. Alors, elle a remis le prix de l'album de l'année, prix qu'elle avait elle-même gagné il y a 27 ans pour l'album Falling Into You. C'est Taylor Swift qui a remporté le prix, qui est considéré comme étant le prix le plus important de la soirée. C'était pour l'album Midnight. Taylor est devenue la première artiste à remporter ce prestigieux prix-là 4 fois. Donc, elle a eu 4 fois album de l'année. Fait que bravo, bravo Taylor, bravo. Mais c'est pas ça qui fait parler aujourd'hui. Les gens sont en colère. Ah ouais? En colère. En colère, ouais. Vraiment pour rien, mais bon. Parce qu'en montant sur scène pour aller chercher son prix, Taylor Swift n'a pas salué, embrassé ou même collé Céline. Puis bon, notre Céline, elle revient de loin. On le sait, tu sais, c'était quand même important son apparition Grammys hier soir. Alors là, les gens disent le minimum, ça aurait été
la saluer, lui serrer la main, la coller, peu de respect, bon peut-être sens. Dire qu'elle était contente de la revoir, peu importe. On peut spéculer longtemps sur cette affaire-là. T'sais. La toile s'est enflammée et finalement, les gens se sont un peu calmés parce qu'il y a une photo qui circule où Taylor et Céline ont été prises en photo ensemble dans les coulisses après la remise de prix. Puis Taylor est collée sur Céline, puis on l'a bien contente. Là, il y a des gens qui disent « OK, bon, c'est correct », et d'autres gens qui disent « Non, non, ça rachètera pas non. le malaise. Mona voilà. est dans ce club. » Oui. Oui, la toile est en feu, puis moi, j'ai jeté du gaz là-dessus. Ouais. Un peu de respect, c'est Céline, vierge. Bon, OK, j'aimerais faire le tour de la table. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mathieu, as-tu vu les images? Oui, j'ai vu les images. Okay. Je suis obligé de dire que c'est flagrant à quel point elle s'en contre-sac, même qu'elle y arrache quasiment le Grammys des mains. Oui. Voilà. Ceci étant dit, j'ai gagné un trophée. Je suis monté une fois sur une scène dans la vie de chercher un trophée. T'as eu l'air d'un vrai cadre. D'un vrai cadre. Bon, fait, dans ça, je pourrais pas donner de conseils à personne. J'ai pas été capable de mettre trois mois. Tu sais, je comprends full que... Elle est énervée, elle vient de battre un record en plus de l'histoire de la musique en gagnant 4 fois album. Fait que tu sais, il y a quelque chose de, je sais pas, il y a quelque chose de comme... J'ajoute qu'on a bien vu Taylor Swift chanter quand Céline est entrée sur scène. Elle chantait Power of Love, les bras dans les airs, visiblement ravie de voir Céline Dion sur scène. Tu vois, là, je t'ai fait... Faites-moi pas changer d'idée, je t'ai fait là. Je suis assez de bonne humeur, ça me prendrait une raison d'être fâché aujourd'hui. D'après Taylor. Non, mais elle a pas aussi fait monter Lana Del Rey qui vient de perdre, puis elle avait pas trop l'air de vouloir monter mais la pauvre Lana. Mais c'est son amie, je pense. Son amie? Oui, je pense qu'elle a collaboré à de la musique avec elle, parce qu'elle a fait monter l'équipe de l'album sur scène avec elle. Bon, okay. Bon. Toi, Guilou? Moi, je suis un peu dans la même équipe que toi, Mathieu, en ce sens où, tu sais, des fois, c'est la joie qui s'empare de toi. Je pense pas qu'il y avait. C'était pour mal faire. Je pense pas que c'était mal poli ou quoi. T'sais, des gens disent, puis là, surtout les républicains, parce que Taylor Swift est vraiment une image des démocrates. Elle est très, très liée à Joe Biden et tout ça. Là, les républicains ont sauté là-dessus. Ils ont pris un tome sur une mouette, c'est un restant de Kentucky. C'est beaucoup, là. Fait que là, capote brin restant. Non, mais c'est vraiment bon, un restant de Kentuck quand même. Non, mais c'est la première fois de ma vie que j'entends Kentuck. Ah ouais, mais avec autant de confiance. Ah oui. Tu me surprends sur des petites affaires, la croutier. Elle t'a droppé ça comme une mouette, un restant de Kentuck. Comme si c'était normal. Comme si c'était normal de crier ça. J'ai vu des petits points noirs pour qui ça m'a étourdi, cette phrase-là. Moi, j'ai vu de la panure. Toujours est-il que les républicains puis bien des gens fâchés ont sauté là-dessus comme pour reprocher ça à Taylor Swift et même voir des complots puis dire c'était fait exprès. Je pense pas que n'importe qui de sain d'esprit dans ces soirées-là fait exprès d'avoir l'air d'une merde sur scène. Tu sais, t'es pas... Surtout pas quand t'es Taylor Swift. C'est pas une rapper, là. C'est pas comme l'autre qui s'est fait arrêter, là, pendant la soirée, là. Oui, mais Killer Mike qui s'est fait arrêter en sortant de scène hier soir. Ben menotté, toi, après 3 Grammys. Il a gagné 3 Grammys, ils l'ont sorti avec les menottes dans le dos. C'était écœurant, ces images-là. Mais ça, des fois, tu te dis, j'espère que ça me montrera pas à la tête les prix. Pas toi. Non, pas toi. C'est correct. Pas de saint danger que ça arrive à la disque. Mon grand rêve, toi, voir qu'Éric Lapointe menotté à la sortie du stage. Ah, ouais. Ça serait cœur. Hey, bon. Les magazines à potins se garocheraient là-dessus comme des mois, tu le cannes. C'était une joke en passant. Je ne souhaite pas ça à personne. C'était une blague. Tu vas tellement trop loin, ça gosse. Mais je veux revenir à Taylor Swift. Oui. Mathieu a donné l'exemple de quand il a gagné un prix puis que tu as perdu un peu le on perd un peu nos repères. Complètement, oui, vraiment. Moi, je vais zéro me comparer pantoute, mais juste donner un exemple. À un moment donné, on a gagné un prix aux Olivier, Louis et moi, pour les Morissette. Puis, je ne l'ai pas embrassé. J'étais sénère. Puis, pour dire la vraie histoire, j'avais pas de sous-vêtements en dessous de ma robe. Ah, oui. Ma robe était fendue là, jusqu'au centre des loisirs. Puis là, il fallait que je monte les marches. J'avais tellement peur que François Morancy, qui animait les Olivier, voit dans ma robe. Oui. Ben oui. Là, je pensais à tout ça. Je pensais à qu'est-ce qu'on allait dire. Je pensais à sont-tu content le monde ici qu'on gagne ou ils nous jugent? Puis là, mon gloss, puis là, mon affaire. Puis là, j'ai-tu les yeux beurrés? Ça fait 2 heures, j'étais assis ici. Tu penses à tellement d'affaires. On ne s'est pas embrassé. On avait l'air froid. J'ai été bombardée de rumeurs, de questions. C'est fini. Ça va pas bien. Tu le vois qui s'haïssait, il ne se regardait pas. Fait qu'imagine. Alors que c'était juste le facteur snatch. Ouais. C'est ça qu'il faut tenir compte. Ce fameux facteur snatch. Il se passe beaucoup d'affaires dans la tête des gens qui gagnent. Devant toute l'industrie, t'as peur qu'ils te jugent. J'ai peut-être peur aussi de se faire juger. Ça manque un peu d'empathie, je trouve. Vraiment. Aussi, parce que ça nous est tous arrivé. Moi, je pense que ça m'arrive tous les jours de faire de quoi d'un peu bizarre puis de me dire, voyons, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai eu l'air? Pourquoi j'ai dit ça? Par contre, Félix Turcotte disait que
lui, il s'attendrait peut-être à un petit message de la part de Taylor Swift. Ben, ou de Céline, même les deux, peut-être. Céline, elle le fera pas, mais... Ben, non, mais que Céline, elle dise, hey, moi, je suis zéro affusquée de ça, voyons donc. Puis que Taylor Swift dise, hey, j'ai-tu l'air folle, mais c'était les nerfs, c'était, tu sais... Le meilleur move serait Céline, parce que là, on dirait qu'elle viendrait comme calmer tout le monde. Même les pros Céline seraient comme, ah, ben, si elle, elle dit, mais tu sais, si Céline, ça y fait pas de peine. Si, puis là, le monde dirait, c'est ma Céline, ça. Ouais, ça, c'est ma Céline. Ça. C'est la même petite fille de Charlemagne, qui a toujours été, elle a pas changé de mien. Elle a toujours eu le cœur au Québec. Oui. Mais tu sais, Taylor, elle a une belle candeur aussi, tu sais. En tout cas, moi, j'ai gagné la Valkyrie il y a longtemps. Je me rappelle pas de ce que j'ai dit en avance. Ben, c'est ça l'affaire. Quand je suis allée chercher mon 1 000 $, je m'en rappelle pas. Moi, j'ai déjà gagné un quiz site, j'ai été fendant pas mal. Je me rappelle ah de ouais? ça. Ah ouais? Ah ouais? Je le remettais dans la face de qui veut. On s'en parle souvent. Dernière affaire, vite, vite, faut sortir. Mais il y a une théorie qu'on a vu passer, qu'on a trouvé intéressante sur les réseaux sociaux. Une personne a dit, moi, je pense que les artistes avaient été avertis de ne pas toucher à Céline à cause du syndrome de la personne raide. Ah, oui, mais même là, le fait qu'elle la regarde pas, la façon qu'elle prend le prix, elle c'est pas ça. Elle aurait pu faire un sourire. Non, mais vraiment, puis s'arrêter devant, dire merci, c'est vraiment ça la maladresse. Oui, c'est ça. Si ça avait été ça encore plus, moi, je crois pas à ça. Je pense que c'est une maladresse sur le moment. Ah ouais. Sur le coup, quoi. Ben, je suis plus fâché depuis que c'est juste les Républicains qui l'aiment, finalement. J'ai changé de camp. Moi, j'ai juste une affaire à dire. Shake it off. Ah, t'as bien raison. Ah, bravo. Shake it off. That's it. Ça termine bien. Merci. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge, 16h21 en ce beau lundi avec Mona de Grenoble, Mathieu Pepper et Guy Lengue aujourd'hui à Rouge. Alors, Maguilou, tu veux nous faire un... ce qu'on appelle Wataï Tenedé sur les réseaux sociaux. C'est très populaire sur TikTok. Donc, ce que tu manges dans une journée et ce faisant, tu vas nous parler des tendances culinaires. Ben oui, mais tu sais, c'est une tendance qui est un peu une réplique des filles qui s'entraînent et des gars qui s'entraînent beaucoup, mais il y a beaucoup de filles qui ont fait des vidéos qui s'entraînent puis qui mangent des choses très santé. Fait qu'il y a eu un genre de réplique de filles grosses qui font des What I Eat in a Day, dont je suis. Alors, je vous le fais. Mais qui mangent ce qu'elles veulent, en fait. Oui. C'est pas qu'elles promouvoient quelque chose de bon ou pas bon, c'est qu'elles nous montrent ce qu'elles mangent. Exact. Pour normaliser tout ça. Exactement. Je savais pas de où ça partait, cette affaire-là. Ben, ça part de ça. Puis il y a eu aussi dans un magazine, je me rappelle pas le nom, mais tu sais, genre Gwyneth Paltrow qui disait tout ce qu'elle mangeait dans une journée. Fait que tu sais, ça a créé un engouement. Fait que là, il y a juste eu une réplique pour les gens qui peut-être mangent un peu moins de kale. C'est super nuisible. Oui, non, mais c'est vrai, c'est super nuisible pour les gens. Ben, notamment les gens qui ont des troubles alimentaires. Oui. Mais vraiment. Aussi même pour tout le monde, parce qu'il y a tellement de vidéos qui sont faites de gens qui ne mangent pas adéquatement. Dans le sens que, tu sais, le matin, je mange une pomme. Le midi, je mange une canne de thon. Là, c'est comme, ben voyons. C'est culpabilisant quand même. Ouais, le soir, je tète une amande puis je me fouette en me disant que je suis conne. Tu sais, aussi. C'est trop. Alors, voici... C'est très bonne, moi, ma vidéo. C'est vrai qu'elle était bonne. C'est vrai qu'elle était bonne. Oui. Alors, voici mon What I Eat in a Day en tant que personne grosse et molle, ménopausée, proche aidante, mais joyeuse et toujours à la recherche de collaboration pour innover mon chac sans eau chaude. Le matin, avant toute chose, je pèse sur le piton de la cafetière, café filtre, pas snob, la grosse. Puis, je me rends à la salle de bain où je ramasse toutes les petites boules de papier de toilette que j'ai lancées à côté de la bolle pendant la nuit. La conne. J'ai bu du jus de canneberge avant de me coucher et je suis allée uriner 8 fois entre 11 et 3 heures AM. Je sens donc la pisse. Ben voyons. Mais pas grave, je me fais un café avec la crème. La grosse a pas peur du gras. Je prépare le déjeuner Clovis. Toujours la même affaire, une toast au beurre de peanut, une pomme verte coupée en quartier sans la pelure. Je prends un deuxième café, je prépare le lunch de Clovis. La même chose depuis maintenant 17 ans. Lanière de poulet, berlingot de lait, un morceau de chocolat noir, un carré Rice Krispies, un jus de pomme. Un délice. Je mets Clovis dans l'autobus scolaire, je prends ma pilule de Synthroïde, je regarde Masterchef que j'ai enregistré la veille et je me dis, ben voyons, Calis qui savent pas c'est quoi de la pancetta. C'est bon. Je mange un bol de graines de citrouille. Ça a l'air que ça tue les parasites intestinaux. La fille a pas peur de faire Big Brother, mais des verres dans le cul, c'est non. Je vais marcher ou prendre un autre café ou écrire un peu. Puis je mange un restant de chop suey extra sriracha. J'aime ça quand ça chauffe. Je remplis des documents pour le transport adapté de Clovis ou quelques trucs du genre. Je fais des factures, je prends un café sur le balcon. Oui, je suis cette folle qui prend son café dehors sur un boulevard passant de Saint-Jérôme.
Clovis revient de l'école. Oh, c'est l'heure de la collation. Encore. Un biscuit brun, une pomme, une cuillère de beurre de pinot, un morceau de chocolat, un verre de lait et du jus de pomme. Un délice encore. Des protéines et beaucoup de brun. Arrive. C'est quoi un biscuit brun? Ouais. C'est un biscuit à la mélasse. Ah oui, okay. Comme un pâte d'ours, mais pas en pâte d'ours. Mm-hmm. Okay. Que je ne fais pas maison. Arrive bien assez vite le souper où je revais ma cape de prestidigitatrice et je transforme un Kraft Dinner ordinaire en repas santé en ajoutant du curcuma, de l'huile d'olive pressée à froid et de la levure alimentaire. Clovis n'y voit que du feu. Clovis mange toujours avec ses mains, alors vous comprendrez que tout est jaune chez nous. Couleur Pantone de l'année, j'espère. On est tendance ou on l'est pas. Pour Steve et moi, je cuisine des légumineuses. La grosse, c'est étirer sa pièce. Routine du soir, je donne le bain à Clovis, je fais le lavage de Léo, je regarde un épisode de J'ai dit oui à la robe en sacrant après l'ami vipère qui aime rien et la mère de la mariée jalouse qui traite sa fille de chubby dans une robe strapless. Je les haïs, les tabarnaches. Ah, enfin, c'est l'heure du dodo. CBD pour tout le monde. Brûlé, ben. C'est la vérité. Un gros spliff dans la maison. Oh, ouais. J'ai tout juste d'en commander une caisse. Brûlé. Il n'y a personne qui va se manger, c'est à soir. Et ce qui est merveilleux... Mon taille est énodée, posté. Ah, et ce qui est merveilleux... Ah, et ce qui est merveilleux avec ce que je viens de vous raconter, c'est qu'on va refaire exactement la même crise d'affaires demain. Bravo! Ah, c'était what I eat in a day. Guilou, 6-12-13, quelqu'un s'écrit Guilou, je t'aime. Ben écoute, je cherchais quoi faire comme stand-up. On l'a trouvé, fuck ta grossophobie. Je pense qu'on a une base vraiment. Ici. Je pense que tu peux pousser cette idée-là. Ben, je pense que je vais y aller avec ça. Ça marche bien. Ça marche. Merci Guilou. Ben, ça fait tellement plaisir. Ah, son quotidien raconté avec tellement d'humour. Ah, c'est bon. J'adore. On s'en va à la pause et au retour, Mathieu va nous parler de sa relation difficile avec les séances photo. Oui. On a parlé en ouverture d'émission tantôt, t'es dans le magazine Véro. Oui. Et ça t'a donné envie de parler que c'est pas facile pour toi, les photos. C'est tough, madame. Parfait. Alors, Mathieu Pepper est là, Guylaine Gay, Mona de Grenoble dans Véronique et les Fantastiques. On revient dans un instant. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques jusqu'à 18h à Rouge. Un peu plus tard, on va jouer à Ding Dong qui est là. Puis bien sûr, on a les sujets de nos Fantastiques puis les moments forts en début de deuxième heure. Guilou est là, oui. Mathieu bien et sûr. Mona aujourd'hui. Si. Alors Mathieu, relation difficile avec les séances photo. Oui. Ouais. Ben, ça fait partie de ta carrière maintenant. Ça fait beaucoup partie de ce job-là. Chose que je savais pas... Tu y avais pas pensé. J'avais pas pensé à ça tant que ça. J'ai eu la chance. Je considère vraiment que c'est une chance, par contre, de vivre des gros photoshoots comme ça. C'est vrai que j'ai fait pour le Véro Magazine. C'est impressionnant. Tout le monde était pris en charge. Je travaillais avec des gens, tu sais, professionnels. Puis je voulais les remercier aussi parce que j'ai été gossin, évidemment, jusqu'au choix des photos. Puis choses qui font pas nécessairement. T'as normal, tu donnes un peu un « hey, go », c'est la vision de la personne qui travaille, tu sais, le texte, puis tout ça, puis la mise en place. Puis moi, j'ai décidé de me mêler de ça parce que j'étais un asti fatigant. Fait que je te mêle de tout. Je me mêle de tout tout le temps, mais en même temps, ça fait que je dors mieux. Ah. Guillaume Pinot rit toujours de moi parce qu'il a sorti en mai, je me rappelle c'est pourquoi, mais il a sorti un montage de photos parce que je sais jamais quoi faire avec mes mains. Ouais. Et je finis toujours par tenir mes deux doigts. Ouais, les deux premiers doigts. C'est spécial, ça. On dirait que je tiens deux petits pénis sur absolument toutes les photos d'apparition publique. Ah, c'est drôle. C'est sans arrêt. Puis quand je les mets dans les poches, des fois, je me mets dans les poches chez Tapis Rouge, mettons. Puis je me rappelle pas c'est quoi son nom. Il est super fin, mais il m'engueule. T'es un photographe, il m'engueule. T'as l'air pogné, sors-les! Fait que là, j'ai sors. Ah oui. Je suis sur le tapis rouge devant tout le monde, me sens comme la marde. Je sais pas ce que je fais, je tiens mes deux petits pénis. Oh. C'est tout le temps ça qui arrive. C'est un désastre. On a eu tout ça, hein? Ben oui. Aller sur un tapis rouge. Oh mon Dieu. T'aimes ça, toi? Ben, ça m'est pas arrivé souvent. J'ai une très jeune carrière et le monde m'invite pas parce qu'ils savent qu'après 15 minutes de show, je suis saoul. Fait que je suis pas sortable. Puis tu caches tout le monde avec ta perruque. Moi, ouais, c'est ça. Ben, premièrement, je vais pas aller dans des premières de show en drague, là. Quelqu'un, j'ai besoin d'attention, là. Ça, c'est lourd. Ben, très surpris. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça, avoir de l'attention. Ah, non, mais ça, non. Mais quand je vais sur des tapis rouges, les photographes sont comme. C'est qui? Tasse-toi, parce que je suis en gars, tu sais. Fait que je vais pas. Mais avoir la chance de tenir deux petits pénis devant une caméra, je le ferai sans arrêt. Ben oui. Mais
on me laisse pas. Non, mais je me suis fait chicaner hein, parce que j'ai essayé à la première, la dernière première, en tout cas, ouais. La première, ouais. Son premier show, c'est vraiment mon bout préféré du sujet à date. Mais j'avais essayé de skipper le tapis rouge parce que ça met mal. Puis la vie, la relationniste de presse m'avait un peu comme. Mais c'est ton ami, tu voudrais pas passer vite, ben oui, je vais y aller, il n'y a pas de souci. Puis finalement, dans le fil, j'ai fait non, c'est rien, j'ai dit non, je suis parti. Ah ouais. Hey, badass, hein? Ouais. Badass, c'est pas de rien. Non, mais c'est parce qu'on a l'air comme prétentieux, on a l'air de se prendre pour d'autres. Mais c'est juste, ça se peut-tu qu'on aime juste pas ça? Ça nous met très mal. Ça se peut-tu qu'à soir, j'avais le goût de voir un show, mais pas de m'arranger, fait que j'ai l'air d'un cul. Que j'arrive d'un meeting, je suis dégueulasse. C'est exactement, ouais, vraiment. Je suis tout le temps dégueulasse, ces photos-là. Mais on vit avec ces photos-là oui, puis c'est elles qui vont réutiliser quand ils vont faire un article oui, sur la ça se promène, show. Hein? T'as une photo LED de toi à première de Virginie Mathieu Fortin. Mathieu Pepper ne ressemble plus du tout à ça. Mais il tient toujours ses deux petits pénis. Ouais. Nouveaux cheveux, même deux petits pénis. J'aimerais c'est un bon ça... nom de show, ça. Ouais. Je le prends en note. Regarde ça. What I hold in a day. Je... Ah, wow. Wow! What I hold in a day. C'est super bon. Ah, je peux plus te regarder. Moi, je suis pas capable d'être à l'aise en photoshoot, mais j'aimerais ça. Toi, je t'ai vu être à l'aise. Toi, il y a souvent des vidéos de coulisses, des vidéos de coulisses, comme ils filment toi en train de... Si j'avais le tiers de ton aisance, chaque clic, t'as une nouvelle émotion. Tu sais, à chaque clic, c'est comme... le tiers de ma carrière aussi. Oui, bon, ouais. Mais j'ai non, pas mais le tiers de tes capacités. Non, mais tu comprends capacité. Ce que je veux dire. Oui, c'est t'en as fait beaucoup. Ça fait tellement longtemps que je fais des photos. J'étais comme toi au début, là. Mm. Ah oui, t'es pas sain. Mais non. Ah. Non, mais tu sais, je savais pas quoi faire, moi, ça non plus. C'est écœurant qu'on a sur Google, toutes les photos avant 2007. Ah, c'est tiens, là. Hey, deux mains, c'est boule, puis quand... Mais... Non, mais j'aimerais ça avoir. Tu sais, je trouvais que je te voyais, t'es comme sexy, savage. Non, non, tu sais, tes yeux, ta face, ton angle, tout ça bouge. Puis tu le fais naturellement. Dans le sens, je sais pas si tu travailles avec des photographes qui vont beaucoup comme donner d'indications. Qui dirigent bien. Ouais, qui ben dirigent oui, bien. C'est bon, ça. Ben oui. Mm-hmm. Moi, je viens de le seul Photoshop. Mais comme monsieur, madame, tout le monde, souvent, le seul Photoshop que tu fais, c'est Sucirs, là. Quand oui, tu vas Sucirs, là, c'est parce que grand-maman. Ils dirigent pas beaucoup. Eux autres, ils dirigent non. Pas. Ça, tu vas là, probablement, parce que grand-maman veut des nouvelles photos des petits-enfants pour mettre à côté de ses bibelots-lettres. Fait que là, c'est comme tout le monde, on fait un consensus, on y va. Mm. Puis là, tu y vas, puis t'arrives là-bas. Ils dirigent pas, mais il y a tout le temps quoi qui se passe. Tout le temps. Toi, tu penses, quand... moi, en tout cas, Photoshop de Sears, à ma tête, c'est un fond blanc. Tu prends une photo vite faite, puis tu te rembarques dans ton char. Des fois, c'est un fond d'automne. Mais en cinq minutes, t'es rendu nu-pied, puis t'as une courge des mains. T'es comme, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Puis c'est comme, souris, c'est l'automne. Comme, OK. Puis, moi, j'aime ça parce que je sais quoi faire avec mes deux mains dans ce temps-là, puis j'ai un gros score. Mais c'est comme si, il y a des fois, il y a des concepts, c'est comme si tu rentres là et ils font semblant de sentir une feuille, on va rajouter en montage. Ce genre d'affaires-là, ils font beaucoup ça. Ouais. Mets ta main, fais comme si t'es impressionné, on va mettre Tinkerbell. Ouais, mais pas là. Tu vois, je te le joue comment que je suis impressionné. Mal. À Caroline, je suis capable. J'aime les photographes qui dirigent. Mais j'aime pas les photographes qui dirigent trop parce que souvent, il va dire hey, sois naturel, on fait ça organique, on fait ça relax. Puis sa phrase d'après, c'est bouge à gauche la tête, l'angle, la bouche, un petit peu comme colère bucolique. Puis t'es comme, je comprends pas ce que tu dis, puis il a quand même pris la photo. Puis c'est tout le temps laid. Moi, les deux émotions que je suis capable de faire, c'est toujours entre laid et mal à l'aise. C'est comme si il me dit de quoi, je fais ah, je pense je suis chaton, là. Je pense que je suis là, puis à ma montre, je suis comme ah, mon Dieu, j'étais comme. Tu sais, comme la lèvre à lever, la dent est en avant. J'aime Mathieu, pas beaucoup. Oui. Quand tu as fait les photos pour le reportage là, avec Félix-Antoine Tremblay puis Carl Hardy, là, vous avez gagné des prix pour à Bédaine, ça. Oui. Le poids des mots, là, les hommes en bédaine, t'as bien dû venir fourrer. C'était un cauchemar. C'était vraiment un cauchemar. Ouais. Mais Félix-Antoine m'avait full aidé parce qu'il m'a dit par après qu'il était pas super à l'aise, mais il m'avait full aidé parce que lui, il a fait bon, moi, faut jouer en bobette là, parce que moi, c'était habillé jusqu'à la dernière seconde. Puis il s'est mis en bobette. Je suis comme, OK, il faudrait comme faire ça à m'amener. Puis tu sais, eux autres, ils sont capables de poser, tu sais, être capable d'aller chercher cet angle-là, d'avoir le regard. Moi, j'étais incapable, puis j'allais pas au moniteur voir les photos, je voulais pas les voir, fait qu'il était comme, viens voir un peu comme pour, tu sais, si quelque chose que t'as, comme, non, je le verrai quand ça sortira. C'est comme si j'étais mal un peu de tout ça. Ouais. Mais en même temps, j'aime mieux les photoshoots que les photos de groupe. J'aime, tu sais, les photos de groupe parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui fait comme. On va en prendre une funky. Tu sais, ça, c'est Oui. Ça. OK, on en a une bonne, on en fait une fofolle. Une folle. Je ferais sauter son ça,
tard. Fait que tu sais, je suis quand même content d'avoir fait ce photoshoot-là. Puis je tiens vraiment à souligner le travail de Marjorie Guindon. C'est la même qui avait fait le photoshoot avec Félix-Antoine puis Calardi. Elle est tellement... Elle a compris, là. Elle est venue me voir, elle fait « Je sais que t'aimes ça, t'es tout tremble, je vois... » Comme, inquiète-toi pas, on va... Premièrement, elle m'a dit « Tu vas être assis, j'ai adoré cette première note de jeu. » Puis après ça, elle a pris des photos le plus relax possible. J'ai pas eu à poser, ça a été super. C'est quelques super petites beau. Affaires. Mm-hmm. Puis ah oui. Le texte de Valérie, tu sais, tout est super. Fait que je me considère chanceux, mais Simonac que j'ai ça. Ouais. Puis une fois que vous étiez une gang de gants bobettes, tes mains tenaient quoi, mettons? Deux petites queues. Ah! Ah, j'ai été vulgaire à la fin. C'est correct, j'avais pas été vulgaire. Puis là, on dirait que je tiens le pénis à Félix puis Carl. Mm. Ben oui. Écoutez le balado de la gang du retour à la maison la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeart Radio ou à Rouge FM. 16h43 minutes dans Véronique et les Fantastiques. Tisha, tu me sortirais-tu le bonne fête de Cricri, s'il vous plaît? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Élisabeth de Chambly. Élisabeth de Chambly, pardon. Et elle a 30 ans aujourd'hui, puis elle aimerait s'entendre le bonne fête de Christine. Elle dit « Je vous aime, je suis folle comme de la merde d'avoir Mona pour ma fête. Ah! » Hey! Oh, bonne fête, c'est ma belle ta chose. Fête! Ta fête à toi, super! Ah, reviens-en! Parfait. Hey, c'est vrai, Mona, t'as jamais fait de message de bonne fête, toi. J'y en ferai un. Puis Mathieu non plus. Spécial Chambly. Non, je pense pas. Il va falloir qu'on enregistre ça. Ah oui, OK. Ah oui, parce qu'on passe ça, une petite chanson de fête. Ah, là, okay. Pour, m'a blowé pas mal. Pour les amis. Ah oui, je suis capable. Ah, m'a blowé. Ah, si vous voulez, là, je vais le faire. Non, mais ça sort les notes, là. Ouais. C'est deux petits pénis. Ouais. Ouais. Faut que je les serre fort, fort, fort. Ah! Donne-nous un là. Là, là. Là. Oh, hey, mais il chante bien, Mathieu. Mm. Pour vrai, il chante bien. C'est vrai? Oui, quand il a chanté en direct de l'univers, il était bon. J'ai un petit range que je suis capable de ne pas avoir l'air trop calme. T'es bon, t'es okay. Bon, t'as tous les talents. Oui. Ouais. Je connais plein de femmes qui sont d'accord avec moi. Oui, prends-les. Quelques hommes. Prends-tout. Mathieu Pepper, Mona de Grenoble, Guylaine Gay aujourd'hui dans Véronique et les Fantastiques. Est-ce que, ben, Guilou, t'es en couple. Oui. Mona, t'es en couple. Oui. Mathieu? Pas clair? Non, non, c'est célibataire. Non? Okay. C'est clair? Célibataire, oui. Célibataire, oui. Clairement célibataire. Parfait, oui. Je suis sûr. Je vous parle de ça parce que je vais parler de couple. J'ai vu passer une vidéo sur TikTok où il y a une fille qui disait qu'elle faisait une fois par mois une mise au point avec son chum où elle lui pose 5 questions puis elle a dit que c'est ça le secret du succès de son couple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, Mona roule des yeux. Ben non, mais non, c'est pas lourd du tout. Ben, ça, c'est pas lourd, c'est garder ça. Garder ça léger en amour, c'est administratif. Là. Non, prenez un petit verre, tu jase, là. Okay. Ça, c'est la version cute, mais ça va vite la vie. Ils sont au déjeuner, puis écrit par la tête. T'as pas répondu, puis ouais. Vous comprenez pourquoi il est seul. C'est sa vision de l'amour. Oui. Alors, la première question qu'elle pose, mais j'aimerais quand même avoir prends vos commentaires. Notes, ouais. Elle dit, de tous les moments qu'on a passés ensemble dans le dernier mois, ça a été quoi ton préféré? Ah, cute. C'est super cute. C'est cute. Ouais, vraiment qu'est-ce que t'as aimé? Puis là, tu peux partir de là pour faire comment? Ben, peut-être qu'on préfère ça plus souvent. Puis ça peut être surprenant, les réponses. Oui. Si on n'est pas dans la tête de l'autre. Exactement. La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai fait que t'as aimé ou apprécié dans le dernier mois? Parce que ça aussi, c'est une forme de renforcement. Ben oui. J'imagine que c'est la même réponse. Ouais. Les mêmes affaires, c'est deux. C'est un mardi. C'est un super fun mardi. Ou la personne répond vrai. Non, mais des fois, on prend pas le temps de dire « Hey, merci, j'ai aimé ça quand t'as fait ça ou quand t'as dit ça. » À date, c'est super cute. C'est pas rushant. Non. Troisième question. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ou te soutenir dans les prochaines semaines? Oups, on l'échappe. Tu vois-tu? Ça a été vite quand même. Hein? Ah, ça devient lourd, là. Ben là, ça serait-tu possible que tu ranges les couvercles de Tupperware comme du monde? Là, c'est ça part, là. Ah ouais? Oui. Ah, ben... Ça n'est comme moi, il y a une couple de jours. C'est-tu si loin que ça? Mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle au lieu de dans le lavabo. Ah, le lavabo. À Loulou, ça? Oui. Oh. C'est quoi cette affaire-là de vaisselle sale dans le lavabo? Ah, I don't get it. La. Il me sonne pas comme un gars qui va rincer ses vieux flocons de Raisin Bran avant de sacrer ça dans l'évier. Là. Non. Les vieilles sécheresses. Le matin, il se fait un shake avant d'aller travailler, puis il l'apporte, puis il me le rapporte 4 jours plus tard, puis il sent le vieux suri moisi. Puis là, je lave ça. Nice. Attends, mais il rince pas lui-même? Il ne rince pas lui-même quand non, il l'aime. Non, mais des fois, il le rapporte et il le laisse sur le comptoir. Puis là, ben, moi, je passe tout de suite. Encore une chance, moi, j'y goûterais. Ah! Ça a l'air que c'est excellent pour le microbiote. Le microbiote, ça! Voilà. Quatrième question pour discuter avec votre conjoint-conjointe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse en ce moment dans ta vie ou dans notre relation dont on n'a pas parlé? Ça, c'est bon, ça. Bon, Mathieu, il trouve ça lourd. Non, c'est bon, mais ça peut chirer vite.
Ouais, mais en même temps, elle peut s'attendre à genre, elle peut s'attendre à changer le couvre-lit, puis finalement le gars il est comme je sais plus si ça marche. Je trouve que on ouvre des portes à des affaires. Ouais, des ça c'est risqué. Hein? Parce que dépendant de la journée puis comment la personne va cette journée-là, il y a des timings quand même pour avoir ce genre de discussion. Je resterais dans le plus léger. Qu'est-ce que tu as aimé? Je comprends. C'est sûr que si tu pars la discussion avec ta personnalité narcissique me fait chier. C'est moins léger. C'est moins léger. C'est sûr. Hey, mais en même temps, c'est peut-être mieux de l'aborder quand on est calme puis relax que dans le milieu d'une chicane où ça donne absolument rien. Effectivement. Je sais pas, là. C'est le contexte. Tu offres un contexte. Ouais. Oui. Moi, je me suis déjà retrouvée dans une situation comme ça, Mathieu, où il y a très un million d'années, OK, quelqu'un que vous connaissez pas, là, mais je fréquentais quelqu'un. Puis à un moment donné, dans une discussion le soir, bien relax sur le divan, le gars me dit... Moi, sais-tu, je regarde ça aller, là, puis je trouve qu'on devrait se laisser. Et moi, de répondre, oui. Hey! Ah, ben là, c'est super ça, c'est ça. Non, mais il s'attendait pas à ça. Oh! Il voulait que je dise, ah, ben non, voyons. Ben oui, il voulait qu'on règle les choses. Oh. Puis moi, j'étais comme, ouais, non, c'est ça. He missed with the wrong gal. Ça tu fais le saut, là. Ouais, c'est donc... quand tu t'as une perche, puis finalement, c'est un peu de l'ego. Ben oui, mais c'est un peu de l'ego de faire ça. Je pense que tout moi, ça marche plus, puis quand on va se battre. Ouais, me garder. Moi. Non, non, ça, c'est loser. Ouais. Peut-être un petit manque d'assurance. On l'aime pas. De son côté. Oui, c'est ça. Dernière question que vous pouvez aborder en couple. De quoi as-tu, à quoi as-tu le plus hâte dans le prochain mois? J'espère que tu es concernée. Ça, oui. Ben oui, c'est ça. J'ai vraiment hâte d'aller jouer au hockey. Ben ça se peut. Ça le dit, là, quand c'est ça fait ça. Comme longtemps que tu es avec quelqu'un. Oui, là, puis ta job d'amoureuse, d'amoureux, c'est d'être content pour l'autre. Exact. Ouais. Mais tu vois, il y a quand même quelque chose là-dedans. C'est vrai que si tu... Si la personne qui pose la question a des attentes, tout ce quiz-là peut chirer. Vraiment. Tout à fait. Mais si c'est vraiment dans le... Non, mais pour vrai, ça pourrait être... Tu en vas voir un show avec tes amis. Ben oui. S'il y a ça, on dirait que ça peut être le fun. Tu vois, tu serais super bon. Ah, moi, je serais extraordinaire là-dedans. Non, je serais bon en couple. Cœur à prendre. Tu serais un bon chum. Bon, c'est juste que présentement, il n'est jamais là. Ouais. C'est une de mes bonnes qualités quand même. L'absence. Ben merci, les Fantas, pour cette discussion. Préparez vos moments forts parce que ça s'en vient. Après la pause, vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge en ce lundi. Restez là. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Oui. Deuxième heure de notre émission du lundi 5 février. C'est toujours Véro qui vous parle en compagnie de Guylaine Gay, Mona de Grenoble. J'ai une nouvelle femme. Mathieu Pepper. Same old. Oh oui. On l'a dit en début d'émission, Mona est une femme neuve depuis qu'elle fait du tapis roulant puis qu'elle prend des suppléments pour son microbiote. C'est son probiotique. Elle a l'air flore en forme. Resplendissant. Elle sent le ginkgo biloba. C'est moi, la flore laurentienne. Alors, il nous reste une belle heure à passer ensemble. Je veux saluer les auditeurs qui nous écoutent, bien sûr, à la bonne vieille radio. Ben oui. Mais aussi les gens qui nous écoutent sur leur haut-parleur intelligent. Vous savez que vous pouvez faire ça avec l'application iHeartRadio. Il y a des balados, bien sûr, mais vous pouvez nous écouter en direct également. Alors, je vous salue. Vous pouvez nous traîner partout. C'est pas compliqué. Wow. Tu vas à l'épicerie? Nous traînes notre sac à gauche. T'es vraiment malade. T'as pas choisi les cannes de soupe? Écoutez, fantastique. Donc, qu'est-ce que vous... M'avez-vous parlé, madame? J'ai écouté fantastique! Ouais! C'est bon, hein? Alors. Je l'ai aimé, ce sketch-là. Oui, j'étais avec toi à l'épisode. C'est malade parce que c'était improvisé. Ouais. Arrête! Ah, bravo! Pas raté, ça! Tout improvisé. Grand burlesque. Non, mais c'est vraiment une des grandes. C'est un génie de l'humour. Un grand comique, moi. La vraie poune. Elle a gagné. Ils ont été aux Olivier, ils ont gagné, pas de culotte. Mais moi, il y en a! Pas de culotte, elle a gagné un Olivier. La vraie. Du facteur Snatch! Le facteur Snatch! Si vous avez manqué ça, j'ai raconté ça. En première. La vraie ploune. Oui. C'est toi la ploune? Oui. Au lieu de la poule, oui, c'est de la poignée. Ouais, au cours de la prochaine heure, Mona va nous parler d'une une entente qu'un acteur très connu a fait avec une de ses fans. Oui. Ça glace le sang, cette histoire-là. Ah, vraiment? Parfait. Ah, ouais? Ah, ouais. C'est dans une dizaine de minutes. Et également, on va jouer à Ding Dong qui est là tantôt vers 6h20 pour trouver qui a marqué l'actualité de la dernière semaine. Mais d'abord, on va faire les moments forts puis on va commencer avec Guilou. Oui, il y a quelques semaines, je vous ai parlé d'un trio d'artistes qui s'appelle Funky Art Cartel. C'est des filles des Laurentides. Et elles
ils font des murales sublimes, que ce soit dans des écoles, CHSLD, résidences, etc. Et je suis allée prendre un café avec elle. Parce que moi, quand j'aime du monde, ben, je lui ai écrit. Puis là, on s'est vus. Puis on s'est rencontrés à Saint-Jérôme. Ça te faisait changement de prendre ton café comme une pauvre folle sur ton balcon? Ben oui, tout seul. comme une folle. Je voulais parler à du monde. Boulevard. Fait qu'on est allé prendre un café. Puis les filles, ça fait 4 ans, elles font un super beau concours. Elles offrent une murale de façon gracieuse, donc gratuitement. C'est un concours qu'elles font. Fait que je vous invite à aller voir sur leur page Instagram, Funky Art Cartel. Et si ça vous tente, si vous êtes un organiste, si vous travaillez dans une école, etc., puis vous avez envie d'avoir des belles couleurs, elles font vraiment des trucs extraordinaires. Et je les salue, Funky Art Cartel. Allez les suivre et participer au concours. Bonne idée. Merci beaucoup, Guilou. Merci. Je veux saluer Philippe à Magog qui nous écoute au gym, justement, en direct sur iHeart Radio. Il dit, j'ai l'air fou, je ris tout seul, mais j'ai du fun. Ben oui. Ben, merci, Philippe. Très bien. T'as un sketch sur le gym? Ouais. Combien tu benches, le gros? Quoi? Combien tu benches? T'attends pas écouter les fantastiques. Ah, bravo! Mais ben voyons! Une chance intarissable de sketch! C'est la vitesse à laquelle des situations. Ça va être un mineur de Val d'Or. T'apprends plus ça aux toilettes publiques. Je sais pas, Véro. Ouais, non, c'est pas. Qu'est-ce que t'as dit? Non, laisse faire ça. Ah oui, j'en veux. Tout ça marche pas. Des mines de Val d'Or. Fais-en un des mines de Val d'Or. Des mines. Après le temps, Jean-Guy! Ah, c'est bon, c'est bon. Jean-Guy! Ah, c'est bon, le bon lieu. Twist. Ah, ben, s'il m'entend pas, il écoute les fantastiques. Elle s'est débranchée. C'est loin, Valdor, hein? J'ai juste dit. Je me suis auto-débranchée. J'ai juste dit, t'as fait le même personnage 4 fois. C'était le même gars à l'épicerie, au gym, à Valdor, puis qui pissait. C'est toujours le même. On appelle ça un classique. Hey, callback! Hey, callback! Hey! Ah, wow. OK, moment fort, t'es Mona. Oui, moi, j'ai des fleurs et un pot. Les fleurs, moment fort. Je suis allé samedi au Club 10-30 avec ma chum voir le show de Philippe Braque. Excellent, j'adore Phil Braque, il me fait capoter. Un scientifique, un fou. Et la première partie, c'était Lumière, que j'ai adoré. Ben le bon. Chanteur. Le pot. Pas c'est le que... personnage dans La Belle et la Bête. Non. Ça aurait été incroyable, par exemple. J'ai une petite grand chanteur. Non, mais en stand-up, il est trash. Ah ouais. Ah, ouais. Ah, moi, à l'école de l'humour, je pense que j'ai fait la théière. Ah, ben voyons. Mais bon, c'est un autre affaire. Tu viens de le voir des années 90. Tu viens de le voir dans ta tête, le chandelier en première personne. Ah, ouais, 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 ouais. Ah, mon Dieu. Puis ça serait la meilleure place pour ça. Tout le monde est drogué dans la salle. Ben oui. Le pot, c'est que c'est une salle avec des places assises. Fait que là, le monde, il gigotait sur leurs chaises, mais il se levait pas pour danser. Fait que moi, ma chum, on est allé se mettre dans le fond pour être debout, danser puis crier. Levez-vous, soulevez-vous, peuple, dans les shows de musique. Et aussi, lors de ce spectacle-là, il y a quelqu'un qui s'approche de moi. C'est une fantamie qui m'a reconnue à cause de mon rire trop fort et gras. Puis elle a dit, oh, je suis tellement contente, nanani. Elle s'appelle Dominique et je l'ai recroisée dans la piscée. Et j'ai dit, ah, ben, salut, Dom. Elle a fait, arc, Dom, jamais. Moi, c'est Doux. Alors, je m'excuse, Doux. Puis là, c'est-tu elle qui vient de recevoir ton pot? Non, le pot, c'est que le monde se lève pas pour danser sur des belles musiques. Je te trouvais sauvage, je souignais pas une fantamie. Ben non, jamais je vais souigner un point de fantamie. Ben non, écoute, les grands becs, on a jasé, elle était fine. Non, Dominique, je l'ai aimé, mais là, c'est ça, je l'appelais Dom, puis depuis ce temps-là, elle m'a bloqué sur Instagram. Doux. C'est doux. Doux. Tu sais, c'est une affaire claire, là, on le sait d'avance. Elle te l'a dit. Merci, Mona. J'en profite pour dire qu'il y a quelqu'un qui a écrit pour dire « Je suis en train de me taper en rafale la 3e saison de Big Brother Célébrité. Je veux Mona comme meilleure amie. J'ai découvert un personnage incroyable et Alexandre l'est tout autant. » C'est-à-dire ton alter ego. Ben mon Dieu, mais je te bisoute. Bravo pour ça. Et une autre personne dit « J'ai vu ton rodage à Gatineau vendredi. » Oui. Tout ça? Oui. « Je t'aime d'amour et garde ta joke d'escalier. Oh. » Oui. C'est signé Mart de Gatineau. Ouais, je la ferai pas en nombre, la joke d'escalier, mais oui, puis pauvre Gatineau, je vous aime assez. Avant d'aller à Mathieu, j'ai une dernière question. Mona qui vient d'entrer au 6-12-13, moi, je règle les grands dossiers. Là, c'est écrit « Mona, tu prends quoi pour ton microbiote? » Et c'est signé Nathalie, la constipée de Québec. Alors, ben moi, je les ai pris pour l'inverse de la constipation. Là, c'était comme, imagine une champlure. Ouais, non, c'est correct. OK, non. Voyons, Simone. Je prends matin et soir des oméga 3, des grosses gélules qui sentent la morue, c'est super. Et puis, tu rotes le poisson un peu. À tous les matins, je prends des probiotiques 80 milliards. Et depuis, je me sens pas le ventre étiré, je me lève le cœur léger, l'esprit à la
fête. Et je fais des beaux bio maintenant. OK, bye. Bravo pour les bio. Ouais. Moi, je suis pour la flore en forme. Fais-moi avec. Flore en forme. Flore en forme. Flore en forme. Dis-le, chaud d'antenne, Joël Legendre. Ah, je vais le proposer. Tellement un moment fort! Oui, en fait, c'est un moment fort suivi, genre, parce que je voulais juste dire à tout le monde que je gosse, j'ai acheté mon char, la gang. C'est réglé. Oh, mon Dieu! Ça on fait 6 mois. Oui, bravo. 6 mois. C'est pas mon moment fort à moi, c'est le moment fort à tous les amis autour de moi à qui j'ai dérangé si souvent. Et peut-être disant, un peu au concessionnaire. Honnêtement, ça n'a pas de bon sens. Il y a des vendeurs qui ont travaillé pour rien, mais fait partie de la job. Mais à tous mes amis qui ont pu à répondre à mes questions. En fait, Pino répondait à mes questions juste encore aujourd'hui avant que j'arrive, mais c'était plus au niveau des assurances. Fait que je pense que ça compte pas. Louis Morissette aussi, je pense. Louis Morissette a répondu à beaucoup trop de questions. Hey, j'ai essayé avec Marc Labrèche. Ouais. Ça a été une courte discussion quand même. Bon, tu l'aimes-tu ton truck? Ah, oh, le truck de ma vie. Ah oui, puis au niveau de la consommation, c'est bien. Parfait, merci mon chum. C'est pas, tu sais, ça dépend du monde. Chacun sa technique, en hein? Tout cas, mm-hmm. Ouais, non, mais Loulou, ben en même temps, Loulou, l'avais-tu dit ici, le premier char qu'il m'a envoyé? Non. Il m'envoie un char, il dit ça, c'est vrai qu'il est écœurant, c'est comme 6 fois ce que je peux me payer, là. Ah. Là, je fais, ah ouais, ben t'es super fin. En dirait qu'il a saisi dans mon message après, il m'a envoyé une Kia. C'est comme Simonac, il n'y a pas un juste milieu. T'es mon producteur, t'as connais ma maudite carrière? Mais non, regarde, c'est ça. Fait que j'ai pas acheté un million. Moi, j'ai pas posé de questions quand je me suis acheté un duplex. Oh non! Donc, c'est fait le véhicule, c'était le moment fort. C'est fait. Ah, puis j'ai un autre moment fort. Tantôt, j'ai failli glisser en sortant de mon char, mais je me suis rattrapé. C'est fou. Pepper est malade. Dois aller pas en musique, Dance the Night. Et tout de suite après, c'est le sujet de Mona de Grenoble à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Et oui, de retour dans Véronique et les Fantastiques avec Guylaine Gay, Mathieu Pepper et Mona de Grenoble aujourd'hui. Alors, Mona, tu as vu passer quelque chose dont tu voulais nous parler qui concerne l'acteur Robert Pattinson. Robert Pattinson? Oui. Appelons-le Rabar pour le bien de la française. Rabar. Oui. Tout le monde, on s'appelle, c'est qui Rabar? Là? Oui. C'est un acteur décédé non, aux mains. Non, c'est Twilight. Non, acteur décédé aux mains du Seigneur des Ténèbres, Voldemort. Également, un sexy vampire 100% Swarovski qui brille au soleil. Bon. Alors, tout le monde est à la même place. Oui. Robert Rabar, il était pogné récemment. J'ai vu ça passer. J'ai lu cette T'as semaine. Lu ça, vous crains, je sais lire. Il était pogné avec une fan de type stalker. Tu sais, une fan vraiment trop lourde qui va te suivre partout ce que t'es. Puis, cette fan-là était chaque jour devant son appart à regarder, et ce, pendant plusieurs semaines. Elle regardait dans le salon chez Robert. Ouais, ben, à moins que ça peut pas voir. Elle était en avant, elle était toujours là. Okay. Il la voyait tout le temps. Oh, puis, elle suivait. Tu sais, le stalking, c'est illégal, OK? Sachez-le. Ah. Mais la fan folle en question, elle s'en est sortie sans arrestation parce que Rabar, il a décidé de la sortir pour souper. Ah! Oui, c'est une technique. Il a donné ce qu'elle voulait. Elle a voulu un moment avec lui. Puis, je t'explique comment il s'en est débarrassé parce que ce souper-là a fini par faire prendre peur à la fan. Parce que. Non, mais je vous explique. L'arroseur arrose. C'est oui, ça. J'adore. C'est une technique que Rabar a développée quand il s'est rendu compte que le monde se tannait de lui en 2 minutes quand il y avait des dates ou quand il sortait en général dans la vie. C'est donc bien drôle. Parce qu'il ça. Se plaint sans arrêt. Fait que là. C'est là, malade. Puis d'ailleurs, les fans fous le savent pas, mais une vedette en général dans le privé, c'est assez drabe aussi, là. Oui. Fait qu'il l'a invité à souper. Il s'est plaint non-stop de sa vie puis de ses problèmes. Puis il a été super plate. Puis quand le repas est fini, elle s'est sauvée. Puis elle n'est plus jamais revenue le voir. Ah, oh, c'est malade. Ah ouais. Il a cassé ça, l'érotomanie. Oui. Mais il a quand même pris un gamble, dans le sens qu'il y avait aussi des chances qu'elle tombe complètement amoureuse puis qu'elle s'accroche à lui pour toujours. Ben, c'est parce qu'il doit être extra chialeux. Il s'est arrangé pour être tellement boring que la stalkeuse, à cette année, pas eu peur. Ce qui me fait beaucoup rire. Ben, et là, je voulais parler de ça parce que je savais que je venais avec vous trois piliers de la culture québécoise, trois grandes vedettes d'ici, des vedettes panier bleu. Bien de chez nous. Avez-vous déjà eu des stalkers, si vous voulez en parler ou si c'est pas s'il n'y a pas de poursuite en ce moment? Avez-vous déjà eu des fans finis stalkers un peu? Physiquement, tu veux dire, genre? Ou sur les réseaux, peut-être? Nous, Louis et moi, on a quelques bonnes histoires de ça. Mais c'est-tu vrai? Je trouve ça toujours... C'est délicat, là, c'est en parler. C'est de l'adresser en dans, nom, dans les cas dont je te parle, il y a eu arrestation. OK, tout, à ce là, point-là. Ouais. Mais c'est un peu délicat, fait que je vais faire attention de ne pas donner vraiment de détails. Mais ce que je peux te dire, c'est que ça peut aller très loin et ça fait peur. Même c'est si sûr. Tu te dis, on est au Québec, on n'est pas, tu sais, on n'est pas John Lennon, là, mettons. Là, ouais. On ne veut pas penser au pire, puis on
veut pas se trouver plus important ou plus big qu'on est, mm-hmm. mais souvent, ce sont des gens avec un trouble de santé mentale. Ouais. Et ça, c'est, ça peut être imprévisible, malheureusement. Puis même quand les gens te veulent pas de mal, c'est très imprévisible. Ouais. Donc, tu sais pas, t'as ouais, peur, même si la personne est super bien intentionnée, t'as peur pareil. De... Oui, c'est ça, parce que maintenant, une vie privée, c'est une vie privée. Mais je t'étonne. C'est que tant que tu y as pas parlé, tu sais pas qu'est-ce qu'elle veut exactement non plus. Ouais, moi, j'ai eu un cas où il y a pas eu d'arrestation, mais ça s'est passé ici à la station. Le gars était venu, vous souvenez-vous, les amis, il était vraiment en psychose, là, en pleine psychose, puis il voulait absolument me voir. Non, pas lui qui passe en bas. Non. Un autre, il voulait absolument me voir pour me faire un câlin parce qu'il disait que j'étais sa mère. Oh. Puis là, évidemment, tout le monde disait, voyons, t'es un gars genre de 52 ans, là. Tu sais, c'est tout ça. Oui, mais reste que ça se peut, mais je comprends. La science, là. Tout ça tenait pas debout. Et bref, là, la station ici est à côté d'une station de police. Ouais. Que la police est venue, ils ont parlé, ils l'ont comme éloigné, puis ils ont donné un genre, je sais pas comment ça a fonctionné, mais ils se sont arrangés pour qu'il n'y ait plus le droit de me contacter. Et plusieurs semaines plus tard, il m'a envoyé un mot pour s'excuser. Puis il m'a dit, j'étais en psychose, j'allais pas bien, je suis tellement désolée de vous avoir fait peur, je comprends comment vous avez... C'est tellement gentil, le petit mot. Puis là, je me mettais à sa place, je me disais, il doit tellement se sentir mal, il doit tellement être honteux. Ouais, fait que j'y ai dit, hey, je comprends, ça peut arriver, puis ce qui est important, c'est qu'il n'y a rien arrivé de grave. Ben, je suis contente que vous ayez mieux. T'as signé ton message, maman. Oui. Je te pardonne, mon fils. Je te pardonne, mon garçon. Maman est fière de ce que t'es devenu. Là, ton allocation de la semaine. Mais non, mais c'est pas un fan fou, c'est pas un stalker, selon moi. Puis on est chanceux quand même ici parce que ça semble très américain. Non, c'est pas ça. J'ai une histoire, je peux pas t'écouter. Ben, moi, une fois, il y a quelqu'un qui voulait entrer en contact avec moi, mais qui est passé par l'école de mon fils. Puis ça m'a fait un peu freaky. Ah non, c'est trop. Elle a appelé à l'école. Ouais, elle a appelé à l'école pour demander que moi je la rappelle. Mais elle a juste laissé son prénom, puis je pensais que c'était quelqu'un que je connaissais. Puis là je l'ai appelé, puis elle a dit "Ah, mais on se connaît pas, mais je voudrais te donner ma recette de chili." Fait que j'ai fait OK. Fait que tu sais ça, j'ai trouvé ça le chili de la stalker. Mais tu sais, de passer par l'école à Clovis, j'avais trouvé ça un peu invasif. Oui, quand même. Puis c'est pas comme si on était dur à trouver ces réseaux sociaux. Ouais, non, c'est ça. Hein, mais voulez-vous du intense? Parce que là, ça, c'est intense, mais intense de chez intense aux États-Unis. Dolly Parton a déjà trouvé un nouveau-né appelé Jolene sous son perron. Ah! Jared Leto, il a reçu une oreille qu'un fan s'était coupé. Oh. Les Jonas Brothers se sont fait donner un requin mort. Et Jessie J s'est déjà cassé le pied, puis une fille qui a personnifié en spectacle s'est cassé son propre pied pour y ressembler encore plus. Ben voilà. Le monde est fou. Le monde est dingue. Mais moi, ça m'est pas arrivé. Ma carrière est très jeune, très courte, mais je suis un peu jalouse, tu sais, parce que moi, c'est pas très intense. Mais j'ai reçu des affaires. Là. Mes fans à date sont super blottes. Garde, vendredi à Gatineau, justement, une fille qui s'appelle Annie. Elle m'a donné un cadeau, c'était signé Annie, je te recherche parce que je suis pas sortie jaser au monde après le show. Fallait que je revienne à Montréal. Mais elle m'a donné un cadeau. Puis là, le placier vient me porter ça, un beau sac cadeau dans lequel il y a un paquet de smoke. J'ai pleuré de joie. J'ai dit, mon Dieu, mais elle me connaît tellement. Mes fans sont blottes. Elle veut te tuer un petit feu. Ah, j'ai capoté. Ah non, je recherche Annie. Ah, écris-moi, je veux te remercier à ta juste valeur. Il y a des fans qui ont une ferme avec des dindes et il y a une grosse dinde qui s'appelle Mona. Oh! À cause de moi, il y a quelqu'un qui a fait une broderie de ma face. Plus belle ça, que la vraie. Il y a quelqu'un qui a déjà lancé une roche sur le stage, mais pas lancé sur moi, mais c'est une belle roche toute peinte avec mon visage dessus. Ben, OK, mais c'est beaucoup quand même. Là. Oui. Tu me sens, mais j'aimerais ça, moi, de vivre de quoi de plus. Hey, toi, Mathieu, tu reçois des bobettes tout le temps. Oh my God, c'est mon meilleur cadeau. C'est rare, mais ça arrive. Charmant. Mon meilleur cadeau, OK, de fan, c'est mon meilleur, c'est mon préféré. C'est un message que j'ai reçu et c'est arrivé pour de vrai. Je vous le lis. Le message va comme suit. On a-tu une petite toune saxophone? Il est trop tard pour ça. Hein? Un peu sexy? Un peu sexy. Cochon, genre. Ah non, sexy. Moi, okay. Ça, c'est la grand valse. OK, merci. Le message qu'un fan m'envoie. Coucou, Mona. Truie de salon, salope et provoque. On va s'entendre à merveille tous les deux, car moi, je suis Christian, le sale porc de cuir obscène et dégueu. Okay. Et c'est signé Christian, le salaud de porc de cuir. Wow!
Je vous le jure, après ça, j'ai reçu un paquet de photos, lui, dans des leggings en serpent, des bottes de cowboy, un ball gag. Ça, là, je dis que c'est un beau cadeau. Faites pas ça, tout le monde. Franchement. Mais c'est de la belle expression, là. Ah oui. Hein? Oh, hey, la signature Christian, salaud de porc de cuir. Oh là là. Je pense que je signe mes chèques demain, ma soeur. Merci, mon âme. Merci. C'était vraiment le fun. Wow. Un jour, je vais vous lire une lettre que j'ai reçue de quelqu'un qui voulait garder l'anonymat, qui était un entraîneur privé, qui sortait avec une entraîneuse privée. Oui. Puis il m'envoyait une lettre pour me dire à quel point il tripait sur les grosses, et moi en particulier. Puis c'était malade ce qu'il a écrit. Ah, je vous lirai ça un jour. Ah, oui. J'aimerais ça, ouais. Ça pourrait te faire un excellent sujet. Je vais faire ça. On va préserver son anonymat. Ben, je sais même pas. Quelque chose qu'on utilise tous les jours ou à peu près à célébrer ses 20 ans hier. Je vous dis pas quoi, je vous raconte ça après la pause. Mathieu, Monin et Guilou sont là. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application Air Radio ou à Rouge FM. Guylaine Gay, Monin de Grenoble et Mathieu Pepin aujourd'hui dans Véronique et les Fantastiques. Merci tout le monde d'être là en ce lundi 17h25. On vous accompagne jusqu'à 18h. Puis tantôt, on va jouer à Ding Dong qui est là. Yeah. Pour l'instant, je vous parle des 20 ans de roulement de tambour. De Facebook! Oh! Je vais vous croire. Hey, déjà 20 ans. Hey, bonne fête, Marc. 20 ans, Marc Zuckerberg. Mm-hmm. Alors oui, même si les jeunes délaissent tranquillement la plateforme pour aller sur TikTok, Facebook demeure le réseau social le plus populaire à travers le monde et le nombre d'utilisateurs continue d'augmenter. Alors d'abord, est-ce que vous l'utilisez beaucoup, vous autres encore, ou de moins en moins? Je pense que les utilisateurs qui augmentent, c'est les faux comptes, par contre. Parce que, par exemple, il y en a 360 à chaque jour. T'as raison. Moi, c'est surtout Messenger. J'utilise beaucoup Messenger à des frais de communication. Mais Facebook, en tant que tel, je ne pourrais jamais rien. Pas tant que ça. Non. Donc, tu es plus sur Instagram. Complètement. Oui. Mathieu aussi? Oui, mais la page professionnelle Facebook est quand même utile. Oui. Oui, encore. Je dirais que c'est pratique pour vendre des billets de spectacle. Ça, c'est ça. C'est le meilleur contact direct pour la vente de billets, je pense, c'est encore Facebook. Oui, c'est là que vous publiez vos dates. Guilou, même chose, tes conférences, tout ça sur Facebook. Ça sert à ça. Ouais. Je vous fais une rétrospective des 20 dernières années de Facebook et ce que ça a changé dans nos vies. Okay? Ça a révolutionné le web, bien sûr, et ça a lancé l'ère des réseaux sociaux qu'on ne connaissait pas du tout avant, ça n'existait pas. Ça a été lancé le 4 février 2004, donc ça a vraiment fait 20 ans hier. C'était destiné d'abord aux étudiants de Harvard. Saviez-vous ça? Oui, j'ai vu seulement le film. Seulement pour les étudiants. Ah oui, c'est vrai. Aussi, j'ai vu le film. C'est un excellent film, pour vrai. T'as raison. C'est vraiment bon. Ben oui, je ne m'en rappelais même pas de ça. Moins d'un an après le lancement, Facebook avait déjà 1 million d'utilisateurs. Et ce qu'il y avait de nouveau là-dessus, c'était qu'on pouvait identifier nos amis sur des photos. On pouvait discuter dans l'espace commentaire. Et ça a permis à Facebook de se démarquer de MySpace, qui était très populaire il y a 20 ans. Entre 2012 et 2014, Facebook a acheté Instagram pour 1 milliard $ et WhatsApp pour 19 milliards. WhatsApp pour 19 milliards, puis Instagram pour 1 milliard. C'est surprenant. Oui, bien Instagram, ça commençait, là. C'était pas encore... C'était pas encore aussi gros. C'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de story dans le temps. Non, il y avait dans le temps que story. Tu fais juste poster juste les photos. Ah, puis les gens, ils mettaient juste des super belles photos très esthétiques. Ouais, d'assiettes, de paysages. C'est le même, ou deux autres flous pendant Jean-Ligloo Fest. De quoi tu parles? Ouais, exact. C'est niché. En 2021, la société Meta a été créée. Et en 2023, ils ont lancé le réseau Threads pour faire concurrence à Twitter. Oui. Donc ça, c'est arrivé l'année dernière. Puis à la fin de 2023, on comptait 3 milliards d'utilisateurs qui consultent Facebook chaque mois. Ouais, fait qu'ils ont comme ça pas ralenti tant que ça quand même. Et qu'est-ce qu'on prédit pour les 20 prochaines années? Est-ce que Facebook va savoir garder sa position dominante? Ben c'est dur à dire selon les experts, mais l'entreprise veut compétitionner Google et TikTok en développant son metaverse et en investissant dans l'intelligence artificielle. Fait que tu sais, c'est comme on dirait que c'est en dormance un peu cette affaire-là, mais non, ils travaillent de quoi puis à un moment donné, ils vont continuer d'innover. Vous autres, vous avez créé votre compte Facebook en quelle année? Mon Dieu. Je sais pas, mais moi, j'ai pas la date, mais j'ai parti mon compte
mon compte humoriste, là, tu sais, beaucoup trop tôt. OK. La preuve, c'est que ça s'appelait Mathieu Pepper, humoriste de la relève. Ah. Ça, c'était le nom. Le nom de ta page. Ouch. Oui, oui. C'était loser. Puis genre, c'est des posts. C'est des posts genre working sur un nouveau beat aujourd'hui. Non. Je vais tester ça le 7 octobre prochain. On est au mois d'août, genre. Le 7 octobre prochain au Saint-Cyboire. Tu travaillais presque. J'avais zéro show, mais j'avais ma page humoriste de la relève. Ça m'aime. Mal. Une bonne attitude. C'est tellement malaisant. Ça te touche, là, ça me fait serrer le trout, là, ça me met tellement mal. Mais je comprends. Mais je me disais, si je, le mets out there, je vais me sentir mal d'arrêter. Fait que j'étais comme, si je voulais comme. Mais oui, non, je suis à la même place que toi. Working, c'est un nouveau beat. Hey là là, c'est punchable. Ouais, mais Saint-Eustache, là, tu sais. Ouais, ouais. Toi, quelle année, Mona? 2008. Okay. J'étais jeune. Ouais. J'étais de toute évidence très jeune. C'est ma chum Virginie Chauvet. Je parle tout le temps d'elle qui me l'a parti. Okay. Puis j'ai changé de compte, je pense, 4 ou 5 fois là, au fil de ma vie parce que je perdais mes mots de passe. Puis moi, je note pas nulle part. Fait que c'est ça. J'ai c'est pas... comme ça qu'ils sont montés à 3 milliards. Ouais, exact. Ah oui, c'est ça. C'est aucun vieux souvenir. C'est pas 3 milliards de personnes actives nécessairement, cette affaire-là, c'est ça. Non, non. Moi, j'ai 2 vieux comptes qui existent encore, mais j'arrive pas à y accéder. Fait que j'ai pas mes vieilles photos, mes vieux souvenirs. Toi, je t'ai écrit 2 fois sur les réseaux sociaux, t'as jamais répondu. Moi, il faut que tu m'écrives pour me parler. Là, moi, le carré magique. Pas, ça me tente non, non. Téléphone. Ça sert à quoi, téléphone? Prendre des portraits, faire chauffer son spaghetti, tu m'appelles. C'est vrai qu'on sur la ligne 2. On a 68 ans. Oui, c'est vrai. Non, mais là, moi, faut-tu me textes ou tu m'appelles? Toi, Kélo, quelle année Facebook? Je crois que c'est en 2005. Puis oh, dans mes débuts. Ouais, les débuts. Puis toutes mes statues commençaient par Is. Oui, c'était parce que c'était ça. Ah, mais c'était ça. Hélène Is. Oui, is. Ouais. Now eating an apple. Exact. C'était comme ça. Vraiment, dire, qu'est-ce que tu faisais? Je m'étalais tellement trop. Ouais. Moi j'ai beaucoup honte de mes anciens statuts, puis j'efface à mesure. Mais je pense que c'est tout le monde. Souvenirs, efface. Cette affaire-là, les souvenirs Facebook, c'est l'affaire qui a le plus triggeré mon estime personnelle les dernières années. C'est le plus gros combat que j'ai eu à faire face. Dans le sens, tu lis ça, puis t'es comme, j'étais dégueulasse. Ben oui. Je parlais de Carey Price. Je faisais comme gros save de la mitaine. Oh, il est sorti fort. Je sais pas pour qui je me prenais. Mais j'étais dégueulasse. Mais là, des fois, tu te dis-tu, les statuts que j'écris aujourd'hui, dans 10 ans, ils vont me serrer le trou. Ah, c'est sûr, Ça va être festival serrer le trou, acheter vos passes. Quel assureur de voiture. Pour... Je veux être porte-parole de ce festival-là. C'est qui le headline, tu penses? C'est toi? Moi. T'en as-tu peut-être des... Puis ouais. On va se faire un duo, là. Ouais. Le tête trou de fesse. Tête trou de fesse, achetez vos passes. C'est bon! Hey, t'es punché! T'es une reine de l'impro en ce le week-end après les gloufles. C'est photos flou du trou. J'aime assez ça vous faire rire. Ben ouais, mes c'est drôle. Enfants. Fait OK, ben c'est tout. C'est les 20 ans de Facebook. Ben bonne fête! Bravo tout le monde! On va jouer à Ding Dong! Oh yeah! C'est pas fini ce show-là! Il y aura aussi le résumé de Félix tantôt. Tout ça en musique. Il y a quelqu'un qui veut chanter. Écoutez-le! C'est ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Donne-moi un dé. Oui, alors Ding Dong qui est là. C'est les gens qui ont marqué l'actualité de la dernière semaine. Je donne des indices, vous trouvez de qui il s'agit. Mm-hmm. Vous dites votre nom pour répondre et bonne chance à tous et toutes. Ding Dong. Ding Dong, qui est là? À 15 ans, j'ai reçu le César du meilleur espoir masculin pour mon rôle dans Le premier jour du reste de ta vie. Hey. En 2005, je jouais Zachary dans Crazy. Pepper. Oui. C'est Marc-André Grondin, puis j'ai failli le dire au premier indice. C'est une bonne réponse. Ah, bravo! Je m'en suis voulu au premier indice. Quasiment? J'ai hésité, je voulais pas avoir la niaiseux. Non, il faut vraiment que je travaille ma confiance. Ben oui. Ben non. Je te jure, j'ai failli le dire. En fin de semaine, donc, c'était la sortie du film Le Successeur, dans lequel Marc-André Grondin tient la vedette. Et les critiques disent que sa performance est magistrale dans ce film, qui est un thriller saisissant. Et comme c'est le conjoint d'une de nos fantastiques, on peut-tu dire que ça aussi, c'est à nous autres? Oui! Marc-André Grondin, c'est à nous autres! C'est à nous autres! Ding dong! Ding dong, qui est là? Comme dit Kevin Raphaël, c'est vous qui l'avez fait! Alors, le point à Pepper. Yes, mon premier spectacle solo présenté au ZooFest en 2018 s'appelait Bonjour.
Pepper. Oui. Pierre-Yves Desmarais. Bonne réponse. Bravo. Oui, Pierre-Yves, on a appris la semaine dernière que c'est lui qui va animer la disque. L'automne prochain, il succède à Louis-José Houde à l'animation, puis il était à Tout le monde en parle hier, puis il était bon, puis maman est fière de son petit nom. Oui, c'est à nous autres. Oui. Ding-dong. Ding-dong, qui est là? En 1986, j'étais choriste pour le groupe de boxe. Guylaine. Oui. Sage Jordan. Bon essai, mais non. Mon vrai nom est Marie Aubu. Tu le sais. Ben, c'est l'autre, là. Ben oui, c'est... La poune. Je chante ceci. Ça, c'est... Guylaine. Ah. Oui. Marie-Carmen. Marie-Carmen, qui est en direct de l'univers samedi. Et j'ai pissé dans mes culottes en regardant le en direct de l'univers de Marie-Carmen. Parce qu'à un moment donné, France Beaudoin, elle salue tout le monde à la fin. Tu sais, puis là, elle dit, un tel est en spectacle, puis l'autre a un album. Puis là, elle dit, c'est la première de Marie-Denise Pelletier cette semaine. Puis Marie-Carmen, elle regarde vers sa gauche, puis elle fait, bonne première, Marie-Denise! Puis là, après, il s'accoupe à Marie-Denise, puis elle est assise complètement à l'autre bord. Puis là, elle dit, j'ai pas mes lunettes! Je t'ai pris pour Marie-Denise! Je l'ai reculé trois fois. C'est vrai que c'est drôle. C'était très, très drôle. Puis elle comprenait jamais ce qui se passait. Elle parlait à sa famille dans la salle. Elle est tellement sympathique. Adorable. Oui. Elle voulait absolument chanter des souvenirs de jeunesse avec ses sœurs. Puis France Beaudoin était comme, faut que j'en chante. Oui! C'était fabuleux. Ding dong. Ding dong. Personne qui est là? J'ai connu le succès de la sortie de mon premier album, dès la sortie, de mon premier album, grâce à ma participation au concert pour les 70 ans de Mandela en 88. J'ai vendu 44 millions d'albums dans le monde et gagné 4 Grammys. Guylaine? Pepper. Oui. Guylaine. Johnny Clegg? Non, c'est un bon essai. Parmi mes... Yannick Nézet-Séguin, j'allais dire. Non. Parmi mes principaux succès figurent les chansons Baby, Can I Hold You, Crossroads, New Beginning et Sing For You. La poune? Non. Oui. Ah. La poune, tout le Hier temps. Hier soir au Grammy, j'ai surpris tout le monde en chantant ma chanson Fast Car avec Luke Combs. Tracy Chapman. Ben bonne réponse. Ben écoute, elle a pris sa retraite en 2009 et on l'a vu très, très rarement depuis ce temps-là. C'est pour ça que... C'était un événement hier. Pourquoi vous riez? Ben, j'ai essayé Yannick Nézet-Séguin. C'est Tracy Chapman. Mais moi, aussi, à quel point j'ai mélangé des moi, affaires. Moi, je pensais que tu faisais une blague. Non, c'est ça, là. Okay. C'est ça que j'accuse en ce moment. Je suis con. Pas grave. Tu es con, mais des fois. Tu as essayé quelque chose. Ben oui, il faut essayer. C'est pas complètement farfelu, là, quand même. Yannick Nézet-Séguin, il a une carrière internationale. Oui, mais il a gagné un Grammy. C'était pas con. Son quatrième, c'est à 4 Grammy. J'ai juste sauté sur le 4. C'est juste qu'à 88, aux 70 ans de Mandela, il était peut-être. Il était moins là. C'est bon, qui fait plus mal dans l'énumération. Ah, OK. Ding-dong! Ding-dong, qui est là? Mon premier album s'appelle La Voix du bon Dieu. Ah! Guylaine. Claudette Dion. J'étais pas loin. Mon premier album anglophone s'intitule Unison. Guylaine. Mona. Mona. Ah, c'est Céline? Ouais. C'est en même temps. Céline, donc mardi matin, on a appris qu'un documentaire sur son combat contre la maladie de la personne raide allait bientôt être présenté sur Prime. Et on en a parlé tantôt, mais elle est au Grammys hier soir. Oui. Avec René Charles. Donc, le point à Mona. Ding dong, qui est là? Dernière question. Je suis DJ et chevalière de l'Ordre de la Pléiade. La Pléiade, c'est le mérite de personnalités ayant contribué à faire rayonner la langue française. J'ai été l'une des muses du designer Jean-Paul Gaultier. Guylaine. Eve Salvaille. Bonne réponse. Eve Salvaille, l'évincée de cette semaine dans Big Brother Célébrité. Yes! Et qui est patronne invisible, je vous le rappelle, pour la semaine. Yeah. Alors, la marque finale, tout le monde gagne! Oh, c'est l'école des femmes, quoi! Pour tous les amis à Rouge. C'est fort. Bravo. Félix, on retourne avec le résumé. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Allô! Fréquence Radio FM. Hey, vous m'avez fait vraiment beaucoup rire. On a ri fort. Vous avez été bon. C'est très, très bon. Merci. Bravo. C'est un très bon show. Véronique, je commence avec toi. Oui. J'en ai beaucoup à résumer. Tu n'es pas John Lennon. Non. C'est vrai, ça. Pas de saint danger que quelqu'un sorte de la disque menottée. Tu veux partir la tête troute-fesse. Oui. La lumière de La Belle et la Bête ne fait pas partie de. Ne fait pas la première partie de Philippe Braque. Malheureusement. Et t'as Diogonier, un Olivier, pas de culotte. Oui. La vraie encore. La vraie Sweet Escape.
snatch! La vraie snatch. Snatch. May the snatch be free. La vraie ploune. J'aime mon pubis. Bon, bon, bon. Pepper, mon pubis, c'est bon! Pepper, t'es monté sur scène chercher un prix une seule fois, puis t'as eu l'air d'un vrai cadre. Oui. Celui qui veut une photo fofolle, tu ferais sauter son char. Ta plus grande qualité, l'absence. Oui. Ton producteur te suggère une Kia. Et tu pensais que Yannick Nézet-Séguin était aux 70 ans de Mandela. Je suis content, c'est un c'est bon show. Bon. Dilemme. Oui. Wadaï, tu postille. À Big Brother, t'avais le casting de la grosse charogne. Tu veux que Clovis refasse le soir et jeudi. La grosse, elle s'est étirée sa pièce. quand t'as gagné la Valkyrie, tu te souviens de rien. Non. Le matin, tu sens la piste, mais tu te fais un café pareil. Et chez vous, c'est peinturé sur le Pantone Craft Dinner. Mona, je termine avec toi. C'est toi la fleur laurentienne. Oui. Tes probiotiques, c'est contre la grosse champlure. Tu mélanges Marie-Carmen et la poune. Oui. Le soir, tu te têtes une amande en te fouettant et en te traitant de conne. Oui. Tes fans te donnent des smokes. Oui. Les statues de Pepper te serrent le trou. Oui. Avoir la chance de tenir deux petits pénis devant la caméra, tu te déplacerais plus souvent. Voilà, c'est tout. Je t'aime. Signé Christian, le salaud de porc de cul. Wow! Vous l'avez dit, vous aviez été bon! Pour vrai, j'ai mal à la face! C'est super bon! Oh. Wow. Hey, c'est juste lundi, la gang! Merci, Guilou! Merci à vous autres! Merci, Mona! Merci, Pepper! Merci, Véro! Tu m'en fais pas ça deux mois sans mettre les pieds ici! Non, je promets! OK, merci à toute l'équipe pour le beau début de semaine et bonnes vacances, Dominouche! Dominique, le productrice, s'en va en vacances quelques jours. Félix, le mot du jour! Il y a plein d'affaires qui me tentaient. Flore en forme, ça m'a beaucoup tenté. Dingo redingote, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a Mélissa de Saint-Hubert qui m'a texté au 6-12-13, elle voulait Facteur Snatch, mais on me l'a refusé. Alors, ça va être Mouette sur Kentuck! Mouette sur Kentuck! Mouette sur Kentuck! Mouette sur Kentuck! Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.